la famille, j'espère que vous allez bien. En ce cas, pour une nouvelle vidéo, la famille, désolé de la qualité, ma caméra, enfin, en fait, le petit câble qui relie ma caméra à mon ordinateur, il a lâché. Voilà, c'est un câble, voilà, qui commençait un peu à perdurer. Donc, j'en ai commandé un nouveau, il arrive lundi. Donc, à partir de lundi, ou au pire mardi, les choses seront devenues normales. Bref, en tout cas, j'espère que la qualité vous gêne pas trop. Mais ça va, la qualité, elle est pas mal. Bref, avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. N'hésitez surtout pas à vous abonner, les gars. On parle de tout, on parle d'actualité, de Fortnite, mais aussi on fait des vidéos théorie où on parle un peu, voilà, on essaie de deviner qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Code créateur dans la boutique Fortnite, NANX2S, les gars, je compte sur vous pour le code créateur dans la boutique. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. D'abord aujourd'hui, la chose dont on va parler, c'est par rapport à un secret qui est caché juste en mode rediffusion. Alors en fait, comme vous le savez, on n'est pas loin de la saison 7. On est vraiment pas loin de la saison 7, il reste à peu près 20 jours avant la saison 7. Donc la saison 7 commence le 8 juin. Donc là, on est déjà le 16 mai, donc ça va aller super vite. Dans deux semaines, on est aux portes de juin. Il restera encore une semaine avant qu'on soit justement à la nouvelle saison. Donc du coup, les choses devraient commencer à s'accélérer, l'histoire devrait commencer à s'accélérer. Et du coup, il y a un truc que beaucoup de gens n'ont pas vu. En fait, si vous allez en mode rediffusion et que vous allez à cet endroit précis, vous allez voir un cristal bleu qui est apparu. Voilà, qui est apparu tout en haut du mont, je sais plus comment il s'appelle. La plus haute montagne de Fortnite, je crois que c'est. Bref, voilà, donc on a un cristal bleu qui est apparu, mais il est disponible qu'en mode rediffusion. Si vous allez en gameplay, à l'ancienne game sur Fortnite, à cet endroit-là, vous ne verrez pas le cristal. Il est disponible qu'en mode rediffusion. Alors c'est possible que ce soit pour un défi. Voilà, c'est possible que ce soit pour un défi. Mais, le cristal bleu, ça me rappelle de la glace. Et qu'est-ce qui était apparu à cet endroit-là en saison 7, chapitre 1? Des Polar Peaks. Donc peut-être que pour la saison 7, Fortnite nous prépare quelque chose de similaire, où en fait une île va se venir se greffer à la map de Fortnite comme Polar Peaks, et que du coup le cristal est annonciateur, ben voilà, je sais pas, du fils du roi de la glace ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment bizarre. Après, il se peut que ce soit juste pour un défi, hein. Mais bon, là, les défis vont commencer à être liés à l'histoire de Fortnite et à la fin de saison, début de la nouvelle saison. Donc là, les défis, il va falloir faire super attention. Bref, en tout cas, si vous avez des théories par rapport à ce cristal, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, il est très 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 mystérieux. Comme vous le savez aussi, on va avoir le comics numéro 3 de Fortnite, donc le Batman Zero Point. Alors, il faut savoir les gars que nous qui savons beaucoup de choses sur l'histoire de Fortnite, nous on a suivi l'histoire depuis le chapitre 1 jusqu'à maintenant. Si vous êtes bien abonné à la chaîne, vous savez tout. Et bien en fait les gars, nous c'est à partir du comics numéro 4 qu'on va commencer à savoir des choses qu'on ne savait pas. Mais le comics numéro 3, vers le milieu et la fin de ce comics, on va commencer à apprendre, je pense, des choses dont on n'était pas au courant. Et du coup, on a eu 3 pages qui ont fuité de ces comics. C'est juste incroyable ce qu'on apprend. On va les voir ensemble, les 3 pages. Je sais pas si elles sont dans l'ordre ou dans le désordre dans lequel je vais vous les présenter. Mais de toute façon, on fera une vidéo globale sur le comics numéro 3 mardi. Donc soyez sûr de vous être bien abonné et d'avoir activé la cloche. Mardi, on fait la lecture du comics numéro 3 officiel de Fortnite, où on apprendra les premières grosses informations sur l'histoire de Fortnite. Donc première page qui a fuité, donc ça c'est la page, je crois, du tout début. Voilà, vraiment du tout début. Parce qu'il y a écrit Zero Point Part 3. Donc ça c'est le titre. Donc bon, je pense que c'est vraiment le début du comics. Et on a une petite fenêtre d'ordinateur. Et ça c'est incroyable. Une petite fenêtre d'ordinateur, donc il y a écrit File Edit Format, donc ça c'est le format habituel des fenêtres. Il y a écrit Inter Office Memo, donc voilà, une petite note qu'a laissé quelqu'un qui travaille au bureau de Fortnite. Il a dit de qui ça vient, donc From, de qui ça vient, c'est des observations de la boucle, et ça c'est destiné à PsyOps, je sais pas c'est qui. Et le sujet du message, c'est je suis inquiété par Batman. Donc ça, donc là on commence à toucher au côté caché de Fortnite, à ceux qui gèrent Fortnite, l'institut onirique. Donc on voit que l'institut onirique s'envoie des messages entre eux, et s'ils voient des choses bizarres dans la boucle, donc ils observent tout, hein, ils observent tout. On l'avait vu pendant l'événement de Midas, on avait vu qu'ils observaient ce qui se passait sur la map. Avec les petits ordinateurs, on avait l'événement de Midas qui était retranscrit. Et donc là on voit que, en fait, l'institut onirique analyse tout ce qui se passe pendant une boucle, et s'ils voient quelque chose de bizarre, ils envoient des messages pour dire que voilà, il faut prendre des mesures. Mais c'est pas fini. Ensuite on voit la suite, donc c'est toujours les petites fenêtres, c'est pas Batman qui pense, c'est pas Batman qui parle, c'est l'institut onirique, le contenu du message qui a été envoyé par celui qui a observé la boucle. Donc il dit qu'en fait le degré d'évolution de Batman commence à être alarmant. En fait Batman évolue trop vite et du coup il est trop dangereux pour la boucle. Et donc du coup il dit, il est complètement, donc en parlant de, donc il c'est Batman, il dit il est complètement focus sur le fait de battre tout le monde et d'aller au milieu de la zone avant que le dernier cercle de tempête se referme.
Mais ils ont dit, l'institut onirique, et c'est là qu'on voit qu'ils sont dangereux, l'institut onirique dit, donc celui qui a fait le mail, il dit, bien sûr, la possibilité que Batman découvre le moyen de sortir de la boucle avait été prévue. Donc l'institut onirique, ils savent quand un ennemi peut devenir potentiellement dangereux. Mais ils savent aussi quelles sont ses limites. Ils avaient déjà prévu qu'il allait deviner comment sortir de la boucle. Mais ils disent que c'est pas fini. Il a dit, ils ont pris des mesures, donc en fait, peut-être que c'est pour ça que Batman, dès qu'il est arrivé, eh bien en fait, à chaque fois, grabuge, l'attaque, etc. C'est peut-être Fortnite, ils ont fait en sorte qu'il soit tout le temps occupé. Et là, ils disent, on a pris des mesures pour que ça se passe comme nous on l'avait prévu. Et là ils disent même avec les mesures qu'on a prises pour empêcher Batman de sortir de la boucle et le fait que Catwoman ne soit plus là et que du coup il galère à tuer tous les ennemis avant de se rendre au centre de la tempête, ils disent que même avec tout ça, et bien en fait Batman va réussir à sortir de la boucle avant que eux l'aient empêché. Et c'est ça qui est incroyable, Batman va réussir à sortir de la boucle avant que l'institut onirique ne l'empêche. Et là il dit, les trois dernières tentatives qu'a fait Batman pour sortir de la boucle, il a failli y arriver. Les trois dernières tentatives, il a failli sortir de la boucle, Batman. Et donc là, le mec, il dit, même ceux qui sont censés aider pour l'empêcher de sortir de la boucle, mais il commence à plus y avoir personne. On commence à plus arriver à contrôler Batman et à l'empêcher de sortir de la boucle. Et donc là, il envoie un mail à un autre département. Donc il doit y avoir plusieurs départements à l'institut onirique. Et là, il envoie un mail au département et il leur dit, si vous nous aidez pas à perturber la mémoire de Batman pour pas qu'il se rappelle qu'il est dans une boucle et pour pas qu'il continue à essayer de sortir de la boucle, et bien il va vraiment réussir. Et ensuite, troisième page qui a fuité, donc là on nous confirme, il y a écrit Science Asset, il y a écrit Catwoman est sortie de la boucle. Donc en fait, Catwoman, lors du dernier comics, donc je vous ai déjà fait la lecture de ce comics, le comics numéro 2, Catwoman, à la fin, en fait, elle est vraiment sortie de la boucle. Et donc du coup, il dit que Batman, en fait, c'est focus sur le fait de la rejoindre. Donc Batman, en fait, son but là, sans Catwoman, elle peut plus l'aider parce qu'elle, elle est sortie de la boucle. Batman, son but, c'est de sortir de la boucle et de rejoindre Catwoman. Donc il dit qu'il se rappelle plus de Catwoman, donc Batman, depuis qu'elle est sortie de la boucle, il l'a oublié. Que je vous rappelle que dans la boucle, quand la boucle se réinitialise, on oublie tout ce qui s'est passé, on l'oublie. Sauf la seule chose qu'on n'oublie pas, c'est ses sentiments. Et Batman, à chaque fois qu'il recroisait Catwoman, se rappelait de son amour pour elle, et c'est comme ça qu'il se rappelait qu'elle était amie avec lui. Mais s'il la croise plus, son cœur lui dit pas qu'il l'aime, et donc du coup, il oublie Catwoman. Et donc du coup, là, l'institut onirique, ils disent, là où il est dangereux, Batman, c'est qu'en fait, il s'est écrit des choses sur son corps pour pas oublier qu'il est dans une boucle. Donc vous savez, il avait marqué la boucle se réinitialise chaque 22 minutes, essaye de s'échapper, etc. Il s'est marqué des mémos pour pas oublier. Mais là ils disent la manière obsessive dont il essaie de le plus vite possible battre tout le monde et de s'échapper le plus vite possible montre qu'en fait il est en train de suivre un plan. Donc en fait ça prouve que Batman est vraiment déterminé à sortir de la boucle. Et donc là il demande au département donc du coup qui doit s'occuper de supprimer la mémoire des gens à chaque fois que la boucle se recrée, il leur demande que en fait comme il n'oublie pas ses sentiments Batman, c'est pour ça qu'il est aussi déterminé. Et donc du coup il leur demande, est-ce que vous pouvez changer les paramètres pour que vous puissiez aussi supprimer ses émotions pour pas qu'il soit autant vénère pour sortir de la boucle et qu'il n'en sorte pas. Et donc à la fin il dit, Batman est un cas spécial, et je sais que vous allez être réticent pour prendre des mesures juste pour lui, juste pour ce cas précis, mais, et ça s'arrête là. Donc on est pressé de voir la suite des événements. Franchement, ce comics-là, il me tarde vraiment de voir parce que là, vraiment, on voit comment communiquent les différents départements de l'institut onirique, comment ils s'occupent de quelqu'un qui commence à essayer de sortir de la boucle. Et du coup, ça commence à vraiment devenir intéressant et on commence vraiment à toucher à des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Donc vraiment, il me tarde vraiment la suite de savoir comment est-ce que Batman va réussir déjà à sortir de la boucle pendant ce comics-là. Quand il aura rejoint Catwoman, il me tarde de voir comment est Fortnite quand il est sorti de la boucle. On l'a jamais vu. Il y a trop de trucs qui arrivent. Vraiment, les gars, abonnez-vous, activez la cloche. Mardi, 18h pile pétante, il y aura la lecture du comics numéro 3 qui sortira. Et je vous ferai. On lira tout ça et on analysera ce qui se passera dans le comics numéro 3. Sauf si ça fuite avant. Mais ça m'étonnerait que ça fuite avant, ça a jamais fuité avant. Enfin bref, donc voilà. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte bien évidemment pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Nanos, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.